Allez. Putain, nos vélos. Mais c'est ce que je me tue à te dire, nos vélos, on peut s'asseoir dessus. Putain. Oh, attendez, c'est l'entre vélo. Il y a le... ça a coulé. Ouais, c'est bien. Le bâton a traversé la pierre. traversé la pierre. Pour se retrouver dans les limbes du jeu. Alors, attends, je prends ma carte et j'essaie de retrouver. Si tu veux que j'affiche ta carte, Franck, dis carte. Carte. Allez. C'est bien. Allez, bien. C'est tout droit, c'est par là. Attends, comment il s'appelle Tandora l'exploratrice. Merci. Shipper, arrête de shipper. C'est quoi ce bruit? Mais ils sont nouveaux, les tout blancs. On n'avait pas des tout blancs avant. Je sais pas, j'en ai profité pour le purifier. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Purification. Ah, j'en entends un autre. Oui, mais je le vois pas. Ah, bah il y a Kelvin qui nous a retrouvés. Bon, il m'épuise ce garçon. Hein. Bon bah viens, de toute façon c'est par là qu'on doit aller. Il est fatiguant. Attends, c'est par où? Bah, le problème c'est que d'habitude Kelvin il reste à notre camp, alors on arrive à retrouver le camp grâce à Kelvin. Mais là... Attends, je réfléchis. Bah, je pense que c'est par là. Honnêtement, je pense que c'est par là, Franck. Le point violet qu'on voit... c'est celui qui est près de notre base. Il y a le point vert ensuite. Ouais, il me semble qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Sinon, on retourne au point vert. Non, là, c'est... C'est tout droit, là. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ah, putain, tu m'as fait peur avec ta tête de mec chelou, là. Allons, mon fils. Quelle tête de mec chelou? Bah, complètement la tête du mec chelou, hein. Excuse-moi. Mais vous n'avez pas l'habitude des enfants de Dieu? Oui, mais enfin, ils s'habillent pas avec des peaux humaines. Si tu préfères, je pense pas que ça soit très homologué par le Vatican, tout ça. Je les ai bénis. Est-ce que tu veux que je bénisse Tétienne? Ma hache, Mon père, calmez-vous. Je ne veux pas que vous bénissiez quoi que ce soit. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à confesse, Jacques Play. Oh putain, oui, t'as pas idée. Et à mon avis, si j'y vais, faut que je prenne un créneau sur la journée. Hein. Ok, on se rapproche de l'ancien... Donc normalement, ça, c'est le cadavre qui pend. Ah oui, je m'en souviens. C'est ça, hein. Voilà, c'est le cadavre qui pend. Ce qui veut dire que notre base est un petit peu plus bas en contrebas. Mmh, affirmatoire. Et ensuite, on a le point vert. Et normalement, le point vert, c'est là où il y avait les voitures de golf. Et c'est le premier endroit qu'on a trouvé où il fallait l'appel. Bah, c'est surtout que là, maintenant qu'on a l'appel, on va pouvoir faire les autres points verts. Ben oui, il y avait le point vert, tu te souviens? On avait trouvé le point vert du... comment ça s'appelle? De la tombe. Parce que tu te souviens, on avait trouvé tous les GPS. Il y en avait un qui était dans le bateau gonflable. Il y en a un qui est ici, là, juste à côté. Et il y en avait un qu'on n'avait pas pu faire parce qu'il était enfermé, il était enterré. Et c'est vrai que creuser avec ses mains, c'est très dur. Hein. Oh, ça dépend. Bon, dis donc, moi je vais rien dire. Ah bah, elle est là, notre base, regarde. Ah bah voilà, parfait, on la voit au loin. Tu vois, et voyez les gens, l'intérêt de faire une base qui est grande, et bah ça permet de la retrouver. Il y a des mecs dans les pièges ou pas? Négatif. Putain, mais ils servent à rien ces pièges. C'est ça. En fait, ils servent à nous, quoi. Bah, c'est nous qui tombons dans les pièges, hein. Ça veut dire que c'est quand même malgré tout efficace, hein. Ça m'a fait peur, hein. Il y avait une tête, mais c'était pas... Ah bah, on a laissé ouvert. Oh, bah, génial. Oui, non, mais on a foutu des pièges partout. Mais par contre, côté bouffe, je m'attendais à retrouver de l'écureuil. Eh, mais en fait, Franck, on est des génies. Quoi? On a laissé la porte ouverte. Eux, ils ont dû se dire « Waouh, on peut rentrer, ils ont oublié de fermer ces gros nigos. » Et en fait, non, on a mis des pièges. Bah oui, c'est ce que je viens de dire il y a même pas une minute. Eh, on est des génies. On est pas d'accord, les gens? On est complètement des génies. On est des espèces de stratèges. Je pense qu'on peut dire qu'on est des stratèges. Oui. Bah si. Oui, oui. Mais non, mais oui, oui, tout à fait. Je veux dire, waouh. Je pense très honnêtement que César devait avoir recours à ce genre de tactique. Oui. On enverrait bien chez Kelvin chercher du poisson. Ah, attends. Est-ce que tu as faim? Parce qu'il reste de la viande, en fait. Je pensais qu'elle était rotten, mais non. Non, elle est pas rotten. Faut que la petite bouche soit rouge pour pas qu'elle... Vauban est un amateur. Merci, Schmod, pour cette remarque. Évidemment que Vauban, comparativement à nous, est complètement un amateur. Mais je suis ridicule de taper comme ça. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Oui, bah tu seras bien content quand je ramènerai de la viande. Oui, d'ailleurs, je fais remarquer que j'attends toujours. T'attends quoi? Bah la nourriture. Moi j'ai faim, hein.
Mon petit personnage, il a sa jauge de faim qui commence à diminuer un petit peu. Ça m'inquiète. Bah, t'as qu'à manger. Oui, mais Oui, mais quoi? J'aime bien quand tu m'apportes le repas, en fait. Moi, ça me soulage. Voilà, qui est. Ah, voilà, tout de même. Alors, tu les as trouvés sur mes pièges. T'as vu que ça marche bien. Ah oui, c'est sûr. Oh là là, tes pièges que j'ai trouvés absolument d'un coup, hein. Ouais, tu les as pas utilisés, quoi. Si, je les ai utilisés. Attends, l'écureuil est passé dessous la bibliothèque et il est sorti. T'es en train de taper la base. Faut toi te faire un outil de réparation. Quand je te vois chasser, je me dis qu'un jour la base va s'effondrer. Putain, pour l'exagérer. Bah, ils sont là, mes pièges, ça marche très bien, ça. Ah oui, indéniablement. Mais c'est juste que tu sais pas les rapatrier vers la zone, je vais te montrer. Faut juste que je trouve... C'est un piège à plumes. Est-ce que tu veux faire un pic? Non, on regarde là, ici. Oh, attends, il y a seconde, parce qu'il y a la rambarde. Ici, là, regarde les pièges qui sont là. Ceux-là, là. Ouais. Alors, voilà. Et t'as chopé quelque chose? Bah pas là, mais quand il fonctionne, on attrape des trucs. Ah oui. On est d'accord, quand ça fonctionne. Oui, voilà. Mais bon, courir après aussi, bon. Ah oui, voilà. Oui, donc en fait, ma technique est aussi valable que la tienne, quoi. Oui, mais la mienne est faite avec... c'est pas pareil, tu vois. C'est mieux. Mm-hmm. La mienne est mieux. Ah oui, non, mais bien sûr. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oh, vas-y. Merde, occupe-toi du repas. Oh, attends, ça se trouve, regarde. Les ampoules ont rechargé. Vite. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre Je vais aller tester mon ampoule. On a passé 10 minutes à installer l'électricité, c'est pas pour que ça marche pas. Oh, c'est non. Ouah. C'est raté. Bon, super. J'allais monter, mais c'est pour un truc qui marche pas. Quoique, tu sais quoi, je vais monter pour constater que ça ne marche pas. Putain, mais c'est de la merde. Pourquoi ça ampoule pas? Permets-tu? Ah oui, ça marche pas. C'est fou, hein. En fait, ça vient du soleil, j'en suis sûr. Ouais, le soleil n'est pas assez énergique ici. Mmh. C'est un soleil normand. C'est un soleil qui est pudique. Comme les normands, en fait. Pudique. Ouais. Attends, j'ai les oreilles qui sifflent. Je vais foutre du fil partout, ça va être plus simple. Attends. Putain. Pas un écureuil, mais c'est fou. Ici, il y avait une tétrachée d'écureuils, des tortues, il y avait de tout. Bon, et ce con de Kelvin, j'ai besoin de lui. Oh, mais si, elles sont allumées. Mais comment ça, elles sont allumées? Mais non, elles sont éteintes, tes ampoules. Voilà, bah viens voir, mon gars. Ah bah, j'arrive. Pourquoi cela marche pas? Regarde. Alors, ok, il y en a une qui marche sur les deux. Dans bravo. La deux d'allumer sur trois. Attends, si j'enlève celle-ci, il y en a même... Il y en a deux sur trois. Oui, mais là, c'était deux sur quatre. C'était plus intéressant, deux sur quatre. Non, deux sur trois, c'est très bien. Et regarde. Elles marchent toutes. Oui, non, mais attends, y a pas de critique hein, de ma part. J'entends, c'est juste que... J'entends des combats. Ah mais non, elles étaient pas allumées parce que je les avais pas allumées. Alors c'est vrai que celles d'en haut, par contre, faut les atteindre. Ça complique la vie. Hein. Ah putain. Pourquoi elle marche pas celle-là? J'ai mis le fil. Ah, y a peut-être pas de fil là, attendez. Eh ben voilà. Ne dites rien, monsieur Jack Play. Oh, puis c'est beau. Regardez, c'est esthétique. Ah, ça gueule. Oh, putain. Le piège, vite Franck. Je peux pas. T'es où? Bah, je suis dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Bah, parce qu'il m'a poussé dans l'eau. Non, le tue pas. Mais où ils sont? Comment vous êtes passé ici? Venez ici, monsieur. Oh, oui, on est au courant. Attendez, j'ouvre la porte. On a un piège à utiliser. Je vais voir le piège trampoline, Franck, les abîme pas. Bah, ça va, je lui ai tranché la tête, j'ai pas vraiment abîmé. Oui, mon écureuil. Il faut qu'il soit vivant. Mon écureuil. Putain, c'est pas vrai, on a fait des pièges, il pêche pas dedans. Ah oui, ça j'y peux rien, hein, écoute. Et puis apparemment, il a escaladé le mur, hein, donc ton mur, c'est de la merde. Hein. Mais non, le mur, il est très bien, c'est juste que... Je sais pas, Franck. Eh ben, heureusement que j'ai pas demandé à construire une église, hein, avec toi. Hein. Franck, ils sont là. Attendez. Ça veut rien dire, ils sont là. Allez, viens. Mais tu vois bien que... Ils sont dans ton mirador, hein. Ils sont juste en train de péter ton mirador. Alors, le gros s'est pris, s'est empalé dans les pics. Ah, attends, je veux voir. Oh, ça va. Ouais, mais il a pas pris de piège. Ah non, il est en train de souffrir, le martyr, apparemment. Il est où? Voilà. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça, Jack? Oh, quelle horreur! Oh, t'as fait un trou dans sa tête, je crois. Non, il a fait cette tronche. Sérieux? Sa gueule, et c'est dans notre base, hein.
Et oui, ils sont dans ton mirador en train de le péter. Oh putain. Ah, oh, il fait chier ton piège de merde. Mais il marche très bien, c'est juste que il se déclenche pas quand il faut. Ah voilà. Allez, sortez là, prenez le piège. Oh yes. Oh, Franck. Oh, il a explosé. Oh, c'était magnifique. Ça a fait comme une sorte de feu d'artifice de papillon. Attends, celui-là, il est très bien. Ah, il faudrait qu'il vienne. Attends. Moi, je vais voir celui qui fait des trampolines. Il est où? Par contre, je sais pas par où il passe. Hein. Ça, et c'est la dame n'est plus là, c'est sûr, elle tourne. C'est mystérieux. Alors, on a filé un flingue à Virginia, elle ne fout strictement rien. Non, il faut à chaque fois lui refourguer, je crois, parce que... Ah, mais non, j'ai plus mon arme. Ouais, elle sert à rien, quoi. Putain, elle a gardé mon arme à feu? Oui, mais elle fait rien. Elle est là, elle glandouille. De temps en temps, elle nous ramène un d'aloe vera. Excuse-moi du peu, mais j'ai pas l'impression que ça soit rentable. Bon, la prochaine fois, faut qu'on teste le bumper. T'es ici, regarde, il est juste devant, là. Il est où? Oui, bon, bah, excuse-moi d'avoir retranché la tête un de ces hérétiques. Bah oui, mais t'as surréagi. J'ai surréagi. T'as pas envie de les faire sauter sur le piège bumper avant? Bon, d'accord. Ah, parce que il faut savoir s'amuser de temps en temps. Et remarque, on recouvre toute la zone de bumper. Attends, je remets le feu. Il y en a bien qui va tomber dessus, c'est ça? Alors, celui de feu, il est bien. Vous avez vu comment Franck, il se le prend à chaque fois? Non, c'est celui de droite que je prends à chaque fois. Tu vois? Ouais, bah attends, je ramasse le corps. Tu vois? En fait, on peut le prendre celui-là, donc ça va. Attends, ils sont passés par la gauche du mirador, là où il n'y a pas de pic. Ah ouais, mais on peut pas remettre de pic, en fait. Je te mets les cadavres sous la bouffe et tu t'occuperas de les brûler. Oui. Moi, je vais essayer d'aller résoudre ce problème ici. Alors. Tu veux que je les crame? Bah ouais, ça serait plus simple. Comment je vais faire? Bon, bah. Peut-être déposer nos noces et puis on va gagner un peu de temps, quoi. J'ai une idée de génie. Oh putain! Ah, mais je brûle! Mais il est où? C'est moi. Où il est? Et non, c'est moi qui brûle. Non, mais moi, je parle pas de toi. Je me doute que tu brûles. Moi, je cherche un écureuil. On se rend pas compte, hein. Les écureuils, c'est fou. Oh, ça y est, on en a un. Franck, faut l'amener. Viens ici, mon petit bonhomme. Il est où? Non, mais Jack, je fais des choses un peu plus sérieux, là. Et tu veux pas voir le bumper en action? Si, j'arrive. Oh là là, quel enfant. Attends, parce que il a disparu. Il est où? Il est dans l'arbre? Ah bah super, il n'y a plus de feu. Oh là là, faut tout refaire. Oh, il est parti, Franck, je suis désemparé. J'ai l'impression que on a un mauvais relationnel avec nos voisins. Mais non, c'est juste qu'ils ne comprennent pas nos traditions. Bah, faut quand même reconnaître qu'on comprend pas spécialement les heures. Après, la grosse différence quand même entre nos deux cultures, c'est que eux, c'est pas de la culture, c'est de la barbarie. Ah oui, non mais bien sûr, c'est des sauvages, évidemment, Jack. Après, il faut essayer de leur inculquer très fort notre avance. Moi, j'ai quand même envie de voir ce que le bumper fait, tu vois. Mais ça, c'est normal. Même si l'usage me semble exotique, je pense qu'on va tirer beaucoup de satisfaction de cet appareil. J'entends souffler. Ah, oui, on a un client. Ah, mais approche-le du bumper. Mais je peux pas. Pourquoi? Il est en train de souffler par terre de douleur. Ah, mais non, tu l'as cassé. Mais non, mais je te jure que c'est pas moi qui l'ai cassé. Il est mort tout seul. Mais il est mort. Comment ça, il est mort tout seul? Il s'est jeté dans les pics comme un gros nul et il est mort dans les pics. Il ne faut pas qu'il se jette dans les pics, Franck. Faut pas que tu les laisses faire. Il faut que tu les en mettes vers le bumper. Je veux les voir sauter, moi. J'en ai marre, Jack, de ton piège à con. Non, c'est moi qui brûle. Ah oui, d'accord. Bon, c'est rien alors. J'en ai marre de ton piège débile. Bah, le recharge pas. Laisse le bumper. Le bumper, il a l'air très bien. Oh, le piège à feu, il est rigolo. Puis l'avantage, c'est que de nuit, quand Franck passe devant le piège, il prend feu et moi, je vois où est la base si je suis loin. Il y a un aspect pratique aussi. Il va falloir que je modifie mon système. Attendez, il y a une hauteur maximum où il saute là? Parce que si je mets un truc assez haut, moi, là c'est bon. Mais. Mais bordel, Kelvin, qu'est-ce que. Putain, moi j'en ai. Voilà, c'est ce que je te disais. Hein. À un moment donné, on peut plus rien faire pour ce garçon. Faut pas s'étonner qu'il y en ait pour le stock de bûches. Hein. Faut peut-être aussi qu'on lui demande de déplacer les choses un peu plus petites. Parce qu'il a peut-être du mal parce que c'est grand, tu vois. Non mais à un moment donné, Jack, il faut bien qu'il déplace un truc. Tu veux qu'on lui fasse déplacer quoi? Des petits cailloux? Ah ouais, mais tu vois bien qu'il est en souffrance, ce garçon.
Ouais, enfin, il est en souffrance dans sa tête, hein, parce que là, ça devient vite compliqué. Hein. Je vois une bûche qui s'agite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, quoi, tu te mets ici. Au début, je suis passé. Je me suis dit, je vais essayer de l'attraper, mais on n'y arrive pas. On arrive à intérêt. Ah, attends, je crois qu'il a compris. Attends, non, non, mais regarde. Attends. Il faut aussi se mettre à sa place. Referme juste cette porte, laisse-le ouverte. Regarde, là, il s'en sort mieux, là. Je sais pas ce qu'on va faire avec ce garçon. Ah bah, il a réussi. Parce qu'il est vraiment plein de bonne volonté. Non, non, mais non, mais me colle pas, casse-toi. Oh putain, y'a Bambi. Je vais me mettre là. Et je me mets là, les gens. Je vais faire mes crafts pendant ce temps-là. Avec un peu de chance, y'en a un qui va me voir faire mes crafts, il va se dire, je vais l'attaquer en traître. Je place beaucoup d'espoir dans ce plan. Non. Allez, viens, on va creuser, on va aller tester cette peine. Si c'est bon, le stock de viande est refait. Ouais, regarde. Ah merde, ça marche pas. On peut pas couper en deux. Ah, je trouve ça débile. Qu'est-ce que tu veux couper en deux? Oh, j'avais l'interaction. Tu l'as? Vas-y. Ah, c'est pas ce que je voulais. T'as vu, ça fait un petit... Ouais, mais c'est pas ce que je voulais. Ça fait un petit triangle. Est-ce qu'on va voir fait ce que donne cette pelle si on... Parce que je sens que ça va être bien. J'aurais bien attendu la bouffe quand même. Hein. Ouais. Ou à la limite, laisse-moi prendre des trucs militaires au cas où. Oh, bah, ou, ah, si, okay, ce qu'on fait, c'est que si on voit que ça a l'air long, comme c'est juste à côté, on revient ici faire le plein de bouffe, comme ça aura le temps de sécher. Ah, j'ai envie d'aller voir Franck depuis le temps qu'on galère. Bah, allez, on y va. Allez, viens. C'est juste à côté, on a rien. Ça va nous prendre 30 secondes. 30 secondes de combien? Bah, 30 secondes en temps universel relatif, tu vois. C'est quoi ce bruit? Oui, mais est-ce que... Ah, c'est le vent. Je veux dire, est-ce que c'est quadriculaire, justement, ce que tu me demandes? C'est complètement... Au contraire, circonfessier, pardon. Circonfessier, ouais, ça me donne pas que ça soit circonfessier avec toi. Non, non, je t'en prie, bah, non, mais je suis désolé, on parle technique, hein, c'est jusqu'au bout, hein. Bah, c'est quantique, comme tout ce que je fais. D'accord. Alors, attends, c'était là. Oui, c'est là, donc, c'est ce point vert, là. Oui, c'est discutable, quoi. Oh bah, des ampoules. Pourquoi, t'aimes pas quand c'est circonfessier? On va devoir foutre des ampoules partout dans la base, ça va être fantastique. C'était là, c'est ici? Parce que c'est mais là. Toi t'aimes pas, c'est ça? Hein? Bah ça doit être quelque part par là. Là! Oh putain, c'est là. Oui, vas-y, creuse. Où est la pelle? Bah oui, mais une seconde. Creuse, c'est toujours moi qui creuse. Allez mon frère. Vas-y. Ah, j'ai touché quelque chose. Ah! Que ça trouvait? Attends, non, creuse ailleurs. Creuse, aide-moi. Faut que je le fasse aussi, moi. Bah oui, regarde, c'est grand. Comment ça marche? Oh, les animations, elles sont cool. Ah, on peut dessiner des trucs. Attends. Bah oui, on peut faire des bits. Non, j'allais pas faire une bite. Jack. Mon logo. Oh. Tu as vu ce que c'est? Oh, il y a une fenêtre. Je sais pas si on peut appeler ça une fenêtre, bah, techniquement. Ça a l'air d'être en verre, non, à moitié. Écoute, creuse et on verra. On va dégager ça vite fait. Oh, je m'attendais à un trésor de pirate ou un truc comme ça. Ah, ça a l'air assez grand. Par contre, je ne sais pas où est le bord. Putain, on est dans Lost, là. Hein. Clairement. Hein. Bon, tu me diras, dans le premier, on était un peu dans Lost aussi. Hein. Oui, enfin, Lost, j'ai aimé que la première saison. Hein. Alors, en même temps, t'as pas regardé les autres. Ah si. Celle avec le vieux? Ah si. Que soi-disant, il devient un peu mystique et tout. Ah si, ça devient complètement con. T'en parles de Lost, les mecs perdus sur l'île? Oui. Il y avait un vieux. Ouais, un vieux, le mec il devait avoir quoi, 50 balais. Bah merde, c'est pas vieux, merde, Franck, quand même hein. Je te sens chafouin quand je te dis ça, n'est mais pas pourtant, vieux, tu ça, n'as que... Ça n'est pas vieux 50 balais, arrête. Jack, tu as le même âge que moi, 31. Oui, c'est vrai, oui. Oui, mais bon, j'ai un ami qui s'approche un peu de cet âge-là, et bon, voilà, il est pas vieux. Hein. Il est même plutôt très jeune, je trouve, il est très... très... Non, il est pas spécialement... très beau d'ailleurs. Oui, très beau, par contre, ça c'est vrai. Musclé, comme les rats. Et voilà. Charmant. Ah bah, on peut continuer de creuser le sol à l'endroit où il y a. Oh, j'ai entendu un bruit de pièces. Oui, c'est moi, j'ai trouvé du pognon. Mais. Pourquoi on peut pas. Attends, on peut l'ouvrir, non? Bah, je sais pas. Il y a un truc qui vole là. Ah, d'accord, c'est un crâne.
Et moi, ce qui m'interpelle, c'est pas une question. Il faut trouver des bordures. Il doit bien y avoir un bord. Ah, ici, là, il reste un petit bord. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas creuser comme un débile, que... juste comme ça. Ah non, il faut tout libérer, c'est comme dans Lost. Il faut creuser vraiment, il faut libérer toute la circonvolution du... Attends, j'arrive à en enlever sur la plaque, regarde. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux les tuer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Derrière toi! Non, mais c'est bien, ma hache me parlait. Attends, on peut se battre à la pelle, hein. Attends. Tiens-moi les... Oh, ça marche bien la pelle sur eux. Tu veux un coup de pelle? Je m'appelle Bernie Noël. Allez, arrête de gueuler comme ça. Ah, bah oh. Je l'ai creusé la tête, regarde. Regarde. Oh, ça fait... On peut le creuser. Attends, on peut continuer de creuser, tu vois. Ils ne dérangeront plus. Mais ça s'ouvre pas ce truc là? Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc là? Mais creuse et tais-toi. Oh, mais c'est fini là, regarde, on peut passer là. Mais on n'a pas fini. Aïe. Oh, mais non, m'as mis un coup aïe. De pelle. Toi aussi tu m'en as mis une. Tiens, un coup aïe. De pelle dans ta gueule. C'était pas justifié. Si. Non, tu creuses pas. Mais on peut creuser la. T'as vu qu'on pouvait creuser la fenêtre? Regarde, j'arrive à creuser dedans. Mais non, on lui met des coups de pelle, c'est tout. Mais ça sert à rien. Mais pourquoi on a été récupérer cet objet? C'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Tu sais... Attends, mais... Jack, on est bête. Je trouve un crâne. Là, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une poignée. Oh. Maintenance A. Ah, j'ai du mal à ouvrir, par contre. Attends. Ouais. Non, j'aime pas bon. Trop. Oh. Au secours. Tu vois quoi, Franck? Des corps. J'arrive. Alors, je suis dans un long couloir. Ok, mais attends, je suis dans l'animation de descente, là. Oh, j'ai eu un freeze. J'ai eu un lag de ouf. Non, moi, ça va encore. Il y a des boîtes. Oh, il y a des crochets de... des crochets. Je recharge mon freeze. Il y a du pognon. Maintenance A. Mais c'est, tu vois, et quand on a trouvé la pelle, il y a... Stop. Quoi? Regarde. Des balles. Prends les balles. Ouais, je les ai prises. Quand on a trouvé la pelle, il y avait un espèce de bâtiment. Sous le sol. Jack? Oh, il y a un... Il y a un aspirateur. Attends. Il y a des mecs de la maintenance, effectivement, butés. Par contre, il y a de la lumière au bout. Ouais, visiblement, ils étaient en sécurité ici, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Bébé, au fond, je crois. En tout cas, il y a un truc vivant au fond. Ouverture à droite. Ok, ouverture à droite. 1, 2, 3, il y a 3 bébés. Attends, bouge pas. Recule. J'ai jeté un bébé. J'en ai eu un. 2, 3, 4. C'est bon, on les a eu. Ok, fouillons ici, ça a l'air d'être gavé. Ouais, mais ça a l'air d'être le local poubelle, non? Fouille. Être perceuse. Attends, je vais. C'est quoi ce bruit que je viens d'entendre? Ah, il y a un panneau solaire, il y a des ampoules. Alors, je vois qu'il y a plein de bouteilles d'alcool, mais on peut pas les récupérer. On est full en panneau solaire. Ouais, oh, je sais. Il y a une hache de pompier. Oh, putain, il y a une hache de pompier, regarde, Franck. Oh, elle a l'air tellement bien. Attends, elle a fait plus de dégâts que l'autre ou pas? C'est quoi les dégâts? C'est le petit, c'est la deuxième ligne, hein. C'est la ligne rouge, on est d'accord. Oh, elle a une super défense, t'as vu ça? Attends, je la vois pas. Par contre, elle est lente. Hein. Elle est méga lente, mais regarde le max de dégâts qu'elle fout dans la gueule. Puis elle absorbe vachement bien les dégâts. Viens, on va aller taper sur un truc vivant pour la tester. Par contre, il y avait une sorte de passage ici. Où ça? Là. Oh, c'est un appart. C'est une kitchenette. Mais t'es où? Ah, t'es là. Mais Jack, j'y allais. J'entends un bébé. Bébé, où ça? C'est dans le jeu le piano ou c'est dans ma bande son? Non, c'est bien dans le jeu. Par contre, la cuisine est dans un... Oh, il y a de la viande. Ah bah, c'est incroyable, bah voilà, t'avais faim. C'est pas la question d'avoir faim, c'est une question de pouvoir le... Oh, bébé. Où ça? J'ai entendu, ça a fait... Bah oui, je sais, mais je sais pas où il est. Attends, il devait y en avoir, on a dû en oublier un. Bah pourtant, j'en ai compté... Oh. Ah, il est là. Ouverture d'album collective, d'accord. Ici, t'as un album, Jack. Attends, j'en entends un autre.
dans la tête. Ouais, c'est ça. Oh. Badge d'entretien. Oh, Jack, il faut que tu viennes ici. Ah, d'accord, je suis en train de nettoyer le couloir, moi. Pendant qu'il y en a qui s'amusent, moi, j'assure la sécurité du groupe. Tu parles. Oh. Oh, il y a un disque. Couverture d'album collected, ouais. Ouais, et fais le tour, et ici, tu as un badge. Attends. J'explore. Oh là là, le bureau là où je suis devant. Il y a pas d'indice là sur ce qui s'est passé ici. Oh, le petit setup PC là. Si tu ah, attends, j'ai trouvé un mail. Voilà. This afternoon, it was discovered that a painting from Monsieur Pufton's personal collection has gone missing. If anyone has any information, please talk to me directly. Signé Hank. Cet homme parle trop bien l'English. Vous avez tous compris? Je peux répéter avec un accent un peu plus frenchy pour ceux qui auraient du mal avec, avec la langue de Chuck Esper. Oh mon dieu, mais j'en peux plus de cette musique. Mais trouve la musique, coupe-la. Ah oui. Mais je peux pas la couper. J'ai trouvé la carte de Karl Planter. Ça doit être le jardinier. T'as compris? Non, non, si. Non et non. C'est le jardinier. Non. Oh, ils altèrent. Oula, monsieur, un petit setup de muscu. Par contre, t'as été dans la cuisine, là? Oui, oui. Salle de bain. Ah, non, ah. Dans la cuisine, là, oh. Non. Oh, la salle de bain, c'est Dexter Morgan. Oh, il y a des fringues. Il y a du sang partout. Il y a un bouquin. Ouais, il y a un bouquin. Alors, j'ai trouvé le bouquin de Sam Sand. Ouais. Oh, c'est un homme qui a de la voix. Ah, attends. Je peux le lire ou pas? Bah, Penant... pour le moment... Attends. Pennant Line, c'est quoi? Arrive à lire ou pas? C'est que c'est marqué en tout petit en dessous du titre là, c'est marqué quoi? Attends, laisse-moi me mettre à la lumière, je vais te dire ça. Putain, mais vraiment, ils pensent pas aux gens âgés qui auraient du mal à lire. Alors, on marque que c'est une brillante histoire par l'un des auteurs à succès de... Je sais pas, j'arrive pas à lire la suite. Ah, l'album, attends, c'est quoi l'album? T'as chopé un album? Black Pivot, bah c'est le truc, attends. You, machin... Ouais, je pense pas que c'est un rapport avec le lore, ça. Tu as trouvé où l'album? Bah, il était posé à côté de la télé. Ah oui, je l'ai chopé aussi. Ah, c'est celui-là. Liv Banderos. C'est celui-là? Bah, c'est celui-ci que j'ai réussi à lire. Enfin, à lire au parti. Ouais, je mettrai pause au montage, il allait avoir moitié une histoire. Ça peut être intéressant, hein. Il y a quoi d'autre? Le cadavre, là, il dit rien, lui. Si c'est celui qu'on devait sauver, je crois qu'on est arrivé un peu trop tard. Ouais, je pense qu'il est mort, lui. Hein. Il y a des peintures d'oiseaux. Qu'est-ce qu'on voit qui pourrait être intéressant? Rien du tout. Oh mon dieu, cette musique de sauvage! Il y a une salle de bain sans toilette? Non, c'est ça, les toilettes. On peut sauver sur le lit ou pas? Ah oui, on peut sauver. Bon, je sauve. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu veux pas qu'on dorme ici? Le cadavre ne dit rien. Ah ouais, tiens, on va dormir là, dans un vrai lit. Oh. En plus, incroyable. Bon, y a un peu de sang, mais bon, ouais, est-ce qu'on est regardant? Ah, j'ai faim et j'ai soif. Oh putain, je vais crever. Merde, moi aussi. Mange. On va prendre des boissons. Et voilà. Ouais, faut qu'on rentre à la maison, hein. Ouais, on va passer par la maison parce que moi j'ai soif et j'ai pas pensé à prendre... J'ai pas pensé à remplir ma gourde. La même. Eh bah écoute, on se replie. Ouais, on se replie. Ah bah attends, je vais changer mon raccourci pour la hache. J'avais mis un... Oh, cette musique. Ah merde, c'est vrai. Bah je sais plus ce que j'avais mis, moi, pour les raccourcis, hein. Moi j'avais mis un pour la hache, donc je vais mettre la hache de pompier, là. Elle est bien, celle-là. Voilà, impeccable. Oh, nickel, hein. On a rien oublié ici, tu crois? Bah, je pense, hein. Bah, je vois pas ce que tu veux qu'on prenne, hein. En vrai, non. Ça y est, on a fait le tour, hein. Bon, on a trouvé une carte magnétique pour un accès. Alors, moi, quand j'avais joué en... on avait trouvé une porte avec un accès, un badge d'accès, mais... Oui, et c'était près de la base. Tu te souviens de la base au milieu de l'île qu'on avait faite? La superbe base, là, avec la teinte. Je m'en souviens. Ouais, et bah, là, il y avait une porte avec un badge. Tu te souviens, il y avait un garde-manger. Oui, je m'en souviens. À mon avis, c'est là que va nous emmener la suite. Hein. Ah ben, je vois pas à où, hein, de toute façon. Bon, l'avantage, c'est... Il neige. Non ? Non, il neige pas, c'est quoi ? Non, c'est un peu de poussière. Putain, j'ai failli le tuer. Mais putain, qu'il est bête. On a mis 5. Il se barre en courant, c'est qu'il y a un ennemi. On va pouvoir tester notre hache. Oh oui, il y en a un, regarde là !
Oh mon dieu. Oh, venez, venez. Oh bah il est mort. Ah oui, mais l'autre je le vois pas. Il doit être là-dessous là. Ah voilà. Petit bâtard. Y'a des tyramides ? Oui. Y'en a très régulièrement. Bon, je crois que même la majorité de tout ce qu'on se fait, c'est des tyramides. Allez, viens. On va passer à la maison manger. J'ai ramené ce qu'il faut. Ah, tu veux qu'on les crame ? Oh non, on va pas les cramer. Tiens, quelle ligne. Oh, c'est bête. Eh, c'est bête qu'ils puissent pas transporter les cadavres, lui. Oh, ça nous ferait du bien quand ouais, même. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, par contre, faut qu'on y aille là. J'ai super soif. Attends, mais attends, il va falloir qu'on trouve des endroits où il y a les cartes. Est-ce que t'as mémorisé ? Je sais qu'il y en a un, je suis sûr. C'est un sous-sol. Oui, oui, avec une cuisine et de la bouffe. Oui, oui, je m'en souviens. Et hop, à la maison. Squalala ! C'est bon. Il faudrait qu'on mette la viande là-haut, en fait. Tu penses qu'on peut, la mettre là-haut ? Je ne sais pas. Pour être honnête avec toi, je n'en ai aucune idée. Par contre, la viande est au top ici. Je vais refaire tous mes niveaux et on va aller se balader. Bah on y va quand tu veux. Voilà, l'écho est bien. Bah on part. Hein. Attends, je regarde le plan. Ouais, c'est bah c'est par là en fait. C'est là où est Kelvin. Ah, on a. C'est une technique. Attends, oh furtif. Pousse-toi, il va... Non, non, il faut purifier. Ah oui, c'est vrai que t'es dans ton RP de taré. Ouais. Accepte la purification. Il est où ce petit bâtard? Ah, j'ai coupé la tête. Ah, attention, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Oh, c'est un gros. Il est mouru. Attends, du coup, je vais le faire à l'arc. J'ai mon. Ah, bah attends. Mais raccourci. Attends, il vient de soulever un corps. Attends, on va en profiter. Mais. Jack, il vient de soulever un corps. Bah, je vais couper un bras, moi. Voilà. Mais arrêtez de bouger comme tu ça. Tu l'as tué ? Mais non, oh, mais... regarde la bouche. Ah, regarde, ils sont en train de manger leur pote. C'est dégueulasse. Eh oui, tu m'as pas vu. J'adore les gros coups de hache qu'on leur met dans la gueule. Eh ben voilà. T'as vu ? Et j'ai fait ça proprement, je lui ai coupé un bras. Bon, ça tombe bien, c'est plus ou moins la dire. De quoi ça lui a coûté un bras ? C'est ça. Et il y en a même un, il a perdu la tête. Et il y en a même un, il a pris ses jambes à son cou. Ouais, moi j'ai pris ses jambes tout court. Alors c'est par là. On entend quoi ? Ça chante. C'est par là. Ouais. Est-ce qu'on on leur demande de fermer leur gueule ? Ah mais ils sont là, regarde, ils chantent. Sérieux ? Ah oui, ils ont chanté. Oh putain, il y en a un. Ah mais ils nous attaquaient. Mais oui. On va faire écouter les chantons, nous. Voilà, plus de tête. On n'est pas des gros bâtards, nous. Ah bah voilà, la tête, hein. Ah putain, attends. La tête, elle a volé. Oh, c'était une madame. Ah, il y a un gollum derrière, là. Où ça? Bah oui, mais monsieur, oh. Écoutez, nous, on arrive, on fait de la visite, on fait un petit parcours de santé. On se fait attaquer. Non mais moi je suis pas d'accord pour faire des... j'ai entendu un drôle de bruit. Ouais ouais bah c'est le campement, je suis en train de m'occuper de ça. C'est pas légal ça, on n'a pas autorisé nous les... C'est pas... On n'a pas reçu une autorisation ? Non, bah non, non mais là en plus là, la trêve d'hiver est terminée, donc c'est fini les campements à la con là. Ah Ah, fais gaffe, t'en as un qui fait des roulades devant toi. Oui mais moi aussi je fais des roulades. Et j'en vois un autre qui arrive là-bas. Oh, regarde. Regarde, il a voulu faire une dernière roulade. bah oui, j'ai perdu ma tête. Je crois qu'avec un bras, ils survivent pas, mais on va se faire une jambe quand même, voilà. Dans le doute. Petit bâtard. Oh, il y a de la corde, là. Ouais. Pense tiens, à prendre... ici, il y avait pas grand-chose, de toute façon. Ah, il y a une trousse, ici. Je sais pas... Où ça ? Il y a une trousse sur le banc, là. Ah, c'est toi qui fais ce bruit, là. Une espèce ouais. De bruit, là, désagréable. Non, et puis je respire très fort. T'as une espèce de râle... une râle abominable. Ah, il y a un gros. Oui, mais c'est ce que je te disais. Oh, attends. Mais attends, il est attaché ? Oui. Ah merde. Mais non, non, non. Mais non, j'ai raté, je visais sa tête. Ah bah oui, bien joué, mec. Il va faire une attaque ? Je sais pas. Ouf.
Ah, il enchaîne. Hein. D'accord, j'ai plus d'armure. Voilà, je l'ai eu. Je préfère garder le fusil, le flingue pour cela. C'est la manif contre les méga bassines. Bah, la manif est terminée. Voilà, fin de la manif. Maintenant, tout le monde reprend une activité normale. Allez, yes. Let's go. Donc, j'ai pris tous les coups dans la gueule, je crois. On va faire le compte. J'ai l'impression que oui. Bon, j'avais quelques armures. Bon, attendez, on va passer à des armures un peu plus civilisées. Ils ont corrigé le clic, j'ai l'impression qu'il est mieux. Ou alors, c'est le driver de ma souris qui est. Depuis que je l'ai installé, j'ai l'impression que j'ai le meilleur résultat. Après, de là à faire des conclusions. Bah, que mon clic molette marche mieux qu'avant. Allez, merci. Alors, ça a l'air d'être par là. Jack, il y en a deux maintenant. Attends, on va se mettre sur le rocher, on va les voir arriver. Ah, bah, c'est parce qu'il y a un village. Ah, bah voilà. Bah, on va tous les tuer. C'est qui ça? Ah, elle ressemblait à Virginia, vite fait. Attention, derrière. Ah, bah, c'était une femme. Ouf. Bah, mais où? Ah, j'en ai eu un, mais je sais pas où est le deuxième. L'autre derrière toi. Putain, ils sont rapides, hein. Bon, les golems, faut les faire, parce qu'ils sont casse-couilles. Oh, 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 oh. Attends, madame. Ah, plus de tête. Oh, la chance. Ah, oui. Oh, putain, il a bien esquivé, ce petit con. Oh, le con. Ah, j'ai coupé une jambe, je crois. Je crois que ouais, j'ai vu. Quand ils ont... Oh, attention, le gros. Et voilà. Oh. C'est bon, il est mouru. Enfin, je crois. Ouais, ça devrait être bon, là. Oh, comment il est tombé? Attends, il y en a pas un autre? Ah, ça cavale le long du camp, regarde. C'était derrière toi. Hein. Hmm. Viens ici. Oui, non, mais il y en a un autre viens là-bas. Viens ici, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu fais? Pas mal. Tu l'as? Oh, oui. Ils esquivent bien. Il y en a un derrière nous, je crois. Ah, il y a encore regarde, un gros. J'ai coupé la jambe. Attends, regarde, il y a encore un gros là-bas. Attends, je finis. T'es mouru. Il est mort. Ah, il y a un gros. Cool. Ouais, mais il est increvable, fais gaffe. Bah, attends, on va y arriver. Ouais, doux. C'était dans ton dos, il faut qu'ils arrêtent de taper derrière eux. Tu l'as? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est mort, calme-toi. Alors, c'est marrant parce que quand il meurt, lui, son casque, il crie. Moi, ce que j'aime, c'est la bouche ouverte comme ça. On dirait qu'il se tord de douleur. Ah, bah, c'est lui qui a foutu le camp, non? Ah, mais il y a un super camp ici, regarde, il y a plein de caisses. Ah, mais c'est super propre. On a des cordes. Il y a des mecs. Et attention, il y a un mec. Comment ça se déroule avec lui? Je vois que t'as négocié avec lui. J'y vais délicatement. Non, non, mais puis je sens que t'as vraiment ça dans le sang, tu vois, de. Comment dire? D'assurer le. Bah, j'ai surtout dans l'armure en fait. Hein. Oui, oui, mais. Je dirais que tu te débrouilles divinement bien pour la négociation. Ah bah. Ça, c'est un talent. Ça, c'est de l'entraînement aussi, tu vois. Ah, à oui, force. On peut dire qu'il est bourré de talent. Ils ont fait sécher des gens, hein. C'est dégueulasse. Et si on manquait d'éducation et qu'on s'installait ici pour la nuit? Regarde. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Attends, parce que j'aimerais comprendre un truc. Je te le pose à côté de toi. Tu sais, t'es un vieux aussi, hein. Ah bon? Mais c'est fou, on a toujours les mêmes trucs. Il y a des petites trousses, je vais les ouvrir. Ah ouais, il y en a une là. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? C'est ça. Jack? Ouais. Est-ce que tu pourrais te rapprocher du milieu du campement pour faire ce que t'as à faire? Oh, c'est quoi? Oh, j'en ai trouvé un. T'as trouvé quoi? Mais regarde, on a trouvé une mob. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais te montrer tout à l'heure. Bah, il y en a une pour toi, une pour moi, non? Je crois qu'il y en a qu'une ici. Ah, encore des trucs ici. Oh, il y a du pognon au pied du... Est-ce que tu entends? Ça queen. Attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. En plus, il est juste à côté. On va rien récupérer ici. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est plutôt le queenage que j'entends. Le queenage, et ça se détruit, ça? Non. Par contre, est-ce que ce serait pas judicieux de foutre le camp rapide? Ça arrive. Petit bâtard. Attends, je pète leur... Oh! C'est bon, je crois qu'il est mort.
On va suivre le chemin, c'est par là. J'ai l'impression que tu me fais passer pour un boucher à chaque fois, Jack. Mais tu es un boucher. Merci. Ils vont pas nous laisser dormir, tu le sais, ça. C'est bon pour moi. C'est sauvegardé et je t'attends. Moi aussi, je vais l'aider. Ah bah si, ils nous ont laissé dormir. Bah c'est normal. On a nettoyé le camp. On est bientôt arrivé à notre tombe. Enfin, pas la nôtre, hein, mais celle qu'on avait. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh, t'as vu, il y a un gros lapin. Un lapin adulte. Ah, mais il y a encore. Ah. Putain, mais c'est pas vrai. Mais attends, c'est un camp encore. Attends, attends, tu veux pas que je passe devant? C'est toujours tout droit. On a juste à suivre le chemin. Ah, mais c'est un camp. C'est un petit campement. Ah, un petit campement. Ils sont combien? Oui. Non, mais ils sont pas nombreux. Il y a personne. C'est juste pour nous. Ah bah c'est sûr, ouais, s'il y a personne, ils sont pas nombreux. Hein. Par contre, visiblement, il y a une cage thoracique qui a été entamée. Oui, j'ai vu. Oh, bah, c'est pas à moi, alors ça va. Par contre, le mec, il est plié en deux. Ah, putain. Quoi? Ah, il s'amuse avec les sons. Alors attends, c'est censé être par là. Je regarde. C'est par là. Faut suivre le petit chemin. Voilà, la map est tellement grande. C'est ça. Ah, ça bip. Non mais de toute façon c'est surtout que je l'aurais pas eu. Ah, je crois qu'elle est là. Oh, regarde. Quoi donc? Ça y est, on a retrouvé la tombe. Ah oui, non mais on allait réussir à un moment donné. Allez, c'est parti, on creuse. On a la pelle cette fois. Attends. Je vais te regarder faire. Parce que en vrai j'ai peur de faire des bêtises, tu vois ce que je veux dire. T'as oublié la pelle. Je n'oublie pas. Oh, il y a du pognon. Ah, on peut pas creuser là. Du pognon. Des cailloux. Bon, attends, on range ce truc là. Oh, le bip est insupportable. Faut absolument qu'on trouve. Quel bip? Moi j'entends un bip continu. Ah, non, c'est parce que j'avais le GPS. Ah, bah voilà. Bah range le GPS, ma poule. Une montre. Putain, on trouve de ces trucs dans le sol. Attends, et fais des cadres au lieu de creuser dans le vide. Oh, 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 je crois qu'il est mort. Oh. Oh, Jack. Regarde, il est mort, je crois. Jack, regarde. Non, un fusil. Oh, un fusil à pompe. Dis-moi que j'ai des bastos pour ce flingue. Oh, bah, t'es pas mort pour rien, toi. Attends, R. Tiens, c'est quoi, ça? E. T'as vu la tronche qu'il a? Attends, est-ce qu'il marche, au moins? Faudrait qu'on tire sur quelqu'un. Je te propose qu'on aille... quelque chose. Ouais, faudrait qu'on aille essayer. Attends, je vais le mapper. Tu sais ce que je te propose, Franck? C'est qu'on fasse le chemin retour de façon diplomatique et afin de tester le fusil. Attends, Jack, va dans ton inventaire et combine-le avec ton fusil à pompe. T'as un rail. Et ça fait quoi, le rail? Bah, je sais pas, ça doit aider. Ouais, j'imagine. Hein. On peut mettre d'autres trucs dessus? Je sais pas. On peut mettre un viseur laser. je vais prendre un viseur laser sur le fusil. Oh, ça m'a l'air bien, ça. Oh, regarde. Ah, bah, regarde, ça tombe bien, regarde. On a des... Ah, bah, super. Bah, vas-y, essaye-le. Là, j'y vais. Monsieur. Bonjour. Oh, ça marche très bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, nom de Dieu, le vol plané. J'aime beaucoup. Franck, on va en trouver d'autres, tu vas tester. Ah, bah, il y a encore des tombes, là. On va trouver un bazooka, je pense. Mais est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire. Bah oui, on va aller vérifier qu'ils ont été enterrés correctement. Non, je veux dire... quoi? D'accord, il y a du fil là-dedans. Ah, pas de bazooka dans celle-là. Ah, j'ai trouvé du fil aussi. Ouais, ça peut pas être bien tout le temps, hein. Ouais, ouais, bon. Je pense que, honnêtement, vu notre maîtrise de la tactique, je pense qu'avec des fusils à pompe, on sera plus performant qu'avec le reste. Tu crois? Ouais, la question est-ce qu'on aura assez de balles pour accomplir notre vision. C'est bon. Ah, là, il y a des cordes et du pognon. Moi, j'ai vu, mais les cordes, j'en suis déjà blindax. Ah, attends. J'ai peut-être une idée pour me vider les cordes. Est-ce que c'est encore un code? Non. Ah bah tiens, allez, si tu veux le tester. Tu regardes, t'as un mec qui arrive, là. Au bout du chemin. Oh, de l'autre côté. Ah, il nous observe, je le vois là-bas, il est derrière les buissons. Ou alors c'est une biche. Ouais, je l'ai vu. Bonjour, monsieur. Alors, c'est plaisant.
je l'aime. Ouais, ouais, non, voilà, je me doute bien. Est-ce qu'on a beaucoup de balles? Où est-ce qu'on voit les balles? C'est ça, non? Mission de balles. Mission de chevrotine. Regarde un trou. Trou de balles. J'ai 34 balles. Tiens, bah voilà, comme ça on aura des ours. Impeccable, les gens. Pense à recharger ton fusil à pompe. Par contre... Non, oh, putain. Tue-le. Ah, je vais tirer dans la jambe. Arraché. Non, je... Dans la jambe. Non, c'est toute la partie inférieure, en fait. Mon Dieu, c'est horrible. Ouais, j'ai paniqué, moi, j'ai tiré. T'as paniqué? Bah oui. Et Jack, t'as pas un peu surréal... Mais... Ah, mais putain, mais d'où putain, il sort? Mais l'enfoiré. Attends, je vais le chercher. Ah bah oui, là, parce que là, c'est mon armure. Faut qu'il pense à mon armure aussi. Je oh, fais bah, mes... je pense que... Protège-moi, Franck. À quoi? Bah, si jamais je me fais attaquer, je suis en train de faire mes crafts. Ah, bah il y en a un là. Bah voilà. Oh, oh le petit bâtard. Oh putain, l'esquive. Tiens, bouffe ça. Esquive de quoi? T'as un fusil à pompe? Ah non, je le finis à la hache. Oh. Ah bah il est mouru. Il est mouru. Ah bah voilà. J'ai beaucoup de peine, tu sais, dans ce que je fais. Ouais, mais il nous attaque pendant qu'on est en train de... Pendant qu'on est en train de réfléchir. Par contre, faudrait qu'on retourne à la maison, il faudrait que je vide pour mettre dans les étagères, tu sais. Ouais. J'entends... Ça doit être un peu loin, je pense. Du coup, ils n'ont pas le droit de nous taper quand on a la tête dans l'inventaire, de toute façon. Ah bah il est là. Monsieur ouais, je... Jack pas... Jack. Oui. Ah, j'ai cru que c'était toi. Ah, je brûle. Ah, oui. De l'eau, vite. Mais y'a pas d'eau dans ce putain de bled. Ouais, il va pas dans le feu. Mais putain, il... Ah, voilà. Derrière toi. Quoi? Derrière toi. Voilà. Comment elle a volé? Ah mais c'est scandaleux. Au revoir monsieur. Bon, putain, mais on va pas s'en sortir. On va jamais partir hein, avec les os qu'on ramasse là. Je t'avoue que on est bien là. Ah, il y en a un autre qui arrive là. Oh, monsieur. Non, tu l'as eu? Ah ouais, je l'ai eu. On se tire au pigeon. Putain. Oh les brutes. Bon, avoue que c'est propre quand même. Ouais, on s'est peut-être passé dans une zone de passage en même temps. Hein. Une zone de passage, mais ils entendent bien les coups de fusil quand même. À un moment donné, ils sont cons et tout. Ah oui. Est-ce que j'étais bien niveau jambes? Ouais, j'étais bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des cordes ici? J'ai l'impression que non. Ah non, parce non, faudrait, arrête. On est à fond là, on a trop là. On en a trop pris, mon ami. Oui, mais il faut purifier. Ah ouais, bah purifier. Attends, j'en refais quelques-uns et après on sera bon, je pense. Putain, le manque d'eau. Oh. Ah non. Attends. Oui, ici. Ça va, tu t'en sors? Moi, j'ai le nez dans mon truc. Moi, je peux pas voir autour. J'ai pas la capacité de faire ça. Jack, j'ai tué une femme. Elle est encore chaude. C'est bon.